got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one token. Psychic among no possess you with one go. I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. Alors, la journée au centre de loisirs commence à 7h30. Les enfants sont en temps libre le matin de 7h30 à 9h30. Et dans la salle d'activité, il y a différents espaces permanents auxquels ils peuvent accéder en toute autonomie. Donc le temps calme du matin de 7h30 à 8h30 avec des activités donc tranquilles pour démarrer la journée en douceur. Et après, à partir de 8h30, on ouvre aussi le pôle extérieur avec les jeux de cours. Le rangement est signalé par une petite musique, jingle, pour que ce soit ludique et sympa et éviter de donner les consignes de façon stricte. La présentation des activités de la journée se fait par un moment de rassemblement de façon ludique. On commence par un petit temps d'échange et c'est l'occasion de répondre aussi aux questions des enfants sur les activités. Après ce temps-là, les groupes se séparent, les lycéens donc restent sur la salle d'accueil, la grande salle, et les maternelles vont sur l'école maternelle pour accéder à leur salle d'activité. Donc c'est un temps où on se présente et où aussi on lance la dynamique de la journée. Après quoi, chacun va sur sa salle. Donc à partir de 9h30, 9h45, les activités démarrent avec les animateurs. Donc les animateurs proposent des activités adaptées aux 6-11 ans, avec des activités plus spécifiques pour les 6-7 et pour les 8-11, et pour les maternelles, et des activités aussi adaptées aux 4 ans et aux 5 ans. Donc les enfants ont la possibilité de choisir entre deux activités le matin et deux activités le soir pour leur permettre d'avoir une liberté de choix et de prendre des décisions, d'expérimenter aussi la participation et le choix. Donc là, il y avait une activité toujours dans la matinée, on propose une activité plus créative, manuelle, artistique, et une activité plutôt sportive, dynamique, pour qu'au niveau du rythme de l'enfant, ça soit propice aussi à un temps un peu plus intensif et qu'il y en ait aussi pour tous les goûts. Donc là, il y avait une initiation slackline proposée par Clément et une activité ombre chinoise par Aurélia pour les 6-11 ans. Et les Calypso, eux, les 4-5 ans, étaient sur l'école maternelle avec aussi un temps d'activité plutôt manuel et un temps d'activité plutôt sportif, des petits jeux coopératifs, jeux sportifs, jeux collectifs. Sur les temps d'activité, les animateurs prennent en compte l'individualité de chaque enfant et créent aussi le vivre ensemble avec l'entraide, la coopération, la solidarité, et chaque enfant est acteur de ce temps de loisir. Donc là, vous pouvez voir que l'initiation se fait dans la joie et la bonne humeur. Donc les Calypso qui sont dans leur salle d'activité, donc pour les 4-5 ans, on était sur le thème de l'espace. Donc on est vraiment dans l'imaginaire,
les animateurs, l'équipe crée, lance la dynamique souvent par une histoire fantastique et on amène les enfants à vivre une aventure à travers des jeux et des activités manuelles. Là, sur ce temps, c'était la création d'un mobile sur l'espace. Et après, vu que la concentration aussi avec les 4-5 ans est plus restreinte, on va vite sur des activités sportives où ils peuvent se dépenser et ludiques. Voilà, donc là, 11h15, c'est un petit parcours de motricité avec des petites épreuves à faire qui permettent de prendre du plaisir tout simplement. Non, de Laurie, pardon. Allez. Et une petite course de relais. Donc sur la journée, voilà, les différents temps, ils sont vraiment découpés avec des temps calmes, des temps libres, des temps d'activité et de projets d'animation. Donc le matin, les animateurs sont sur les projets d'animation puisque les enfants sont plus disponibles. Et du coup, c'est là où on construit des projets sur plusieurs séances avec la finalité, par exemple, ça peut être organiser une pièce de théâtre, créer un grand jeu, voilà, travailler sur des thématiques comme l'éco-citoyenneté, la coopération, sur la découverte d'activités sportives, etc. Et après, on repart du coup sur le temps libre d'avant le repas et là, le temps du repas. Donc, quand on arrive à la cantine, les enfants ont la possibilité de s'installer à la table de leur choix et on privilégie la mixité des âges parce que c'est favorable autant les grands qui ça leur permet de se responsabiliser et pour les plus jeunes, ça leur permet de... Et d'avoir aussi le soutien des plus grands pour aider à se servir et à débarrasser. Donc c'est positif pour les deux. Le rangement, tout à la cantine, tout se fait avec les enfants. Après le repas, il y a le temps calme, une petite demi-heure, où on privilégie les jeux de société, les jeux de dessin. Et après, à partir de cette demi-heure, on a les jeux de construction aussi, les jeux d'activité extérieure, c'est le temps libre. Les 4-5 ans, eux, vont à la salle de motricité où on lit une histoire, il y a un petit conte. Et c'est l'occasion d'avoir un moment de détente en petit groupe plus posé. Voilà, donc là, c'est les activités temps libre ont pris fin avec le rangement et la petite musique jingle qui permet de ritualiser la journée et de donner des repères aussi spatio-temporels aux enfants, notamment pour les plus jeunes. Donc après le temps du rangement, on se rassemble à nouveau et à 14h30 démarrent les activités de découverte de l'après-midi. Donc ça va être découverte d'activités musique, ça peut être d'expression corporelle, ça peut être des grands jeux. L'après-midi, voilà, on est plus sur du projet d'animation avec des activités moins dirigées, plus ludiques et où on décloisonne aussi les groupes. Et on a sur la semaine un grand jeu tous les vendredis pour les 4-5 ans comme pour les 6-11 ans. Donc là, les grands sont en train de faire un grand jeu qui s'appelle Douanier Contrebandier. Et ça permet de se dépenser. Et l'après-midi, donc, il y avait un groupe qui était sur une activité à l'EHPAD. On est dans notre projet pédagogique, on est aussi sur l'intergénérationnel et favoriser la rencontre des âges d'habitants d'un même territoire, donc de redescend. Et là, les enfants, ils allaient faire découvrir aux personnes âgées une activité qu'ils avaient déjà pratiquée, qui était la fabrication de balles de jonglage. Donc, c'était un moment qui était sympathique et qui permettait d'échanger ses savoir-faire. Et aussi de un peu travailler la motricité, ce qui est intéressant à tous les âges. On met des projets en place sur l'année avec les structures de la crèche, de l'EHPAD. Pour les 4-5 ans, c'était des jeux acrobatiques au dojo
un jeu qui s'appelle Les Déménageurs. Donc, il y a un jeu coopératif, puisqu'il faut arriver à transporter donc, un autre enfant à l'autre bout du tapis. Et donc, en fait, c'est une histoire où on fait un déménagement et chaque enfant représente un meuble, quelque part, qu'il faut transporter. Donc, les 4-5 ans, l'après-midi, c'est pareil, c'est des jeux ludiques où on prend en compte aussi leurs envies et on est dans l'amusement, dans le plaisir de jouer. Après, chaque activité est mise en place par l'animateur avec des consignes de sécurité données précises aussi et de l'apprentissage. On favorise l'éveil, l'apprentissage, l'accès aux loisirs sous toutes ses formes. Alors, le temps du goûter, là, le groupe des Odysséens qui goûtent ensemble. Faites un petit coucou, c'est pour la commission enfance. On va parler de la journée type. Alors, à quelle heure on goûte au centre de loisirs? 4h. À quelle heure? 16h. 16h, ok. Et qu'est-ce qu'on fait après le goûter? Dans le conseil des enfants. C'est ça, exactement. Le conseil des enfants est un temps qui permet aux enfants de donner leur avis, de s'exprimer sur le centre de loisirs. Donc avec les 4-5 ans, ça se fait avec l'aide de pictogrammes, des smileys, des soleils et des nuages pour donner leur degré de satisfaction sur les activités, l'ambiance dans le groupe et la journée, les activités, le repas. Avec les grands, donc deux boîtes, je m'exprime, je me propose et qui permettent de donner de leur avis, mais de s'exprimer aussi et de proposer des activités qu'on vote à l'unanimité. Donc, c'est les enfants qui sont acteurs de leur centre de loisirs. Merci d'avoir visionné notre vidéo.